Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Oxygen Not Included. Et donc là, on se retrouve bien des cycles après la dernière vidéo. En fait, c'est un gros piège pour moi de jouer sur le côté parce que j'ai du mal à m'arrêter en fait. Mais j'ai bien utilisé mon temps et en même temps, j'ai pas bien utilisé mon temps. On va commencer par ce que j'avais promis de faire, qui était de faire des recherches en astrologie pour augmenter en fait notre visibilité sur la carte. Et en fait, vu qu'ici c'est super isolé, super froid, je me suis dit je vais ramener un chauffeur, un chauffage. Mais le truc c'est que nous sommes dans l'espace. Et dans l'espace, en fait, si tu as une source de chaleur, elle reste à un endroit. Où est-ce que je peux regarder la température? Ah bah il est éteint ou il est éteint? Ouais, je l'ai éteint parce qu'il était endommagé, je crois. On va l'activer. On va l'activer et on va voir un petit peu l'effet de la chaleur. En fait, vu que la chaleur reste sur le même endroit, la chaleur qu'il dégage brûle l'appareil, en fait. Donc, il était en train de s'auto-endommager. Et là, je suis content de voir ces bulles. Je suis très content de voir ces bulles. Merci, Piu, de venir réchauffer un petit peu les choses. En fait, il n'y avait pas du tout d'air ici. Donc du coup, la chaleur ne passait pas de molécule en molécule. Et du coup, c'était difficile de réchauffer ici. Donc là, je vois qu'il y a du moins 11 degrés, ce qui est très très bien. On voit des bulles d'air ici, donc je suis très content de ça. J'ai mis un désodorisant, mais il faut que la température baisse. Moins 6 degrés. Ah, mais ça va, ça devient viable. D'accord, je ne sais pas ce qui a changé entre le moment où j'ai coupé pour arrêter la partie, ben je vais réactiver ça du coup. Parce que ma seconde solution, c'est quoi? C'est je vais creuser tout droit jusqu'à la surface, et tout en bas au niveau de la base, on allait mettre le télescope. Donc là, ben on va voir un peu. Il fallait surtout amener des gaz ici, et donc du coup, s'il y a de l'hydrogène, ben c'est cool. C'est cool. L'hydrogène montera toujours, donc il viendra jusque là. Et j'espère ici qu'il va y avoir... Donc tout est pollué dans ce que j'ai mis ici. Donc j'ai essayé de faire un petit enclos, comme ça elle peut se faire plaisir. La petite maillée. Là, qu'est-ce que j'ai? On a du CO2 liquide. Comme Philippe m'a dit ça dans les commentaires. En fait, le CO2 ne disparaissait pas, il se transformait en liquide. Parce que son point de condensation, sa température de condensation était atteinte. Donc du coup, il se transforme en liquide. Et là, bah, c'est du free... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est du free nettoyage, hein, parce que tout le CO2 qui était ici, là maintenant il y a du chlore, tout le CO2 est aménagé, ou amené, vers... acheminé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Acheminé par là, et du coup il est transformé en liquide. Peu importe où est-ce qu'il est, on s'en moque. On va regarder qui est-ce qui est là. On a de la nourriture, ravitailler, décorer. Oh, décorer, ça c'est très bien. Ici, on a des pacou. Elle peut pas construire. Elle peut pas creuser. Enfin, ils ont des malus, en fait. J'aimerais bien le prendre. Elle a un peu en déco. Ou alors, on attend. Parce que ravitailler, nettoyer, franchement, c'est pas mal. On va attendre quelqu'un d'autre. On va prendre des pacou. Imprimer les pacou. Voilà. Alors, autre chose que j'ai fait, c'est au niveau de l'énergie. Là, on n'a plus de soucis d'énergie, on peut regarder notre réseau, il est beaucoup plus clean qu'avant. C'est parce que j'ai bien réparti les choses. Donc, on a trois générateurs à hydrogène ici. Celui-ci permet de mettre en place le petit système là. Voilà, donc il allume ici, il y a une petite réserve d'énergie là, donc normalement ça devrait pas s'éteindre. Ces deux là, pourquoi je suis ici? Ces deux là en fait ils sont reliés à des transformateurs de 2000 watts. Et du coup en fait ils sont par niveau. Ce qui veut dire qu'il va pas y avoir d'overflow au niveau des câbles en fait. Sauf peut-être le dernier ici, mais je pense que j'ai vite fait compter les choses. Ça devrait pas dépasser les 1000, et même si ça dépasse les 1000, c'est pas tous les appareils qui fonctionnent en même temps. Donc ça c'est très bien. Niveau gestion électricité, c'est parfait.
Là, on voit que la batterie est un peu vide. Qu'est-ce qu'il y a sur cette échelle à part l'incubateur? Rien qu'on utilise pour le moment. Donc tout est relié à des choses. À des bonnes choses, on va dire ça comme ça. Donc là, il y a de l'hydrogène qui vient doucement. Doucement, doucement. Et là, j'ai mis des stocks à hydrogène dans les réservoirs à gaz. Donc ouais, il y a du bon. Il y a du bon, il y a du bon. Donc du coup, ici, je vais mettre la priorité. Oh, regardez ça, maillet. Elle n'a pas trop d'air. Ce qui est un petit peu dommage. Où est-ce que tu vas? Ok, est-ce qu'elle va respirer l'air qui est à l'intérieur, c'est ça? Oh, nice. D'accord, ben c'est bien d'avoir de l'oxygène ici. Ah oui, non, on a 1400 grammes. C'est très bien. Oh là là, elle fait bien son taf carrément. Elle fait très bien son taf. Donc là, regardons vite fait la carte stellaire. Elle va débloquer une autre carte tout de suite. Une autre case. Elle en a découverte une. Ah ben c'est celle-là. Tu peux pas regarder par ici, s'il te plaît. Non, elle peut pas faire ça. Ouais, c'est pas un souci. Ça viendra, ça viendra. Il faut juste qu'on lui amène de l'oxygène ici. Au niveau température. Ok, ça commence un petit peu à se répandre. Je suis assez content. Est-ce qu'on sacrifie? On va sacrifier un peu de ça. Un peu d'algues. Boum. Voilà. Avec ça, je vais augmenter juste la priorité. On devrait avoir un petit peu d'hydrogène. Bah, je sais pas. Enfin, d'oxygène plutôt. Je sais pas si ça va. Si ça va. Se liquéfier aussi. Donc du coup ça peut être problématique. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah j'ai mis plus de douche pour éviter qu'il soit un peu sale. Oh c'est quoi ce ballon? Le moral? La douche ouais ok. Pourquoi tu te balades avec un ballon? J'ai vu qu'il y avait eu une petite mise à jour avant de lancer le jeu. C'est humide, stress du jour, heureux et joyeux, bah, je suis content pour toi. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Elle se balade avec un ballon. On a notre station ici de masque à gaz qui est remise. Donc ici c'est un cycle fermé aussi. Ouais, c'est un cycle fermé. Et les réservoirs liquides et gaz franchement sont très bien. Ils sont juste géniaux. Le seul souci que j'ai c'est... ici qui n'a pas assez d'énergie alors que les autres en ont. Ça descend, il y a un truc qui consomme beaucoup. Attends, 960 watts? Tu te moques de moi? Ne plus utiliser. Ah, punaise quoi. Enfin, sans ça. Sans ça, on se... L'écran des recherches qui charge. Alors qu'est-ce qu'on va chercher? J'aimerais, si possible, avoir un peu de déco. Mais le problème de ça, il va me falloir des plantes. Donc je sais pas si c'est une bonne idée. Allez. On va aller par là quand même. Ah oui, un conseil de Philippe, c'était au niveau de l'énergie de faire... Ah, ils ont tous des ballons. Je crois que c'est le petit... C'est le petit ajout là. La petite mise à jour. Il m'a dit de rechercher les panneaux solaires. Où est-ce que vous êtes mes petits panneaux? Est-ce que je vous vois? Où est-ce que ça se trouve? Ah! Bah les panneaux solaires sont là. Donc les panneaux solaires apparemment ont besoin de verre et du coup on peut récupérer du verre. Dans les trucs là. Ici. Donc on peut déconstruire ça pour choper du verre. D'ailleurs j'en ai eu. J'ai dû déconstruire des petites choses ici. Parce qu'il y a des salles un peu spéciales. Mais ici je ne sais pas pourquoi l'énergie... Bon l'énergie remonte, hein, ce qui est bien. On a désactivé le jukebot. Le jukebot. Ouais ok, je sais pas pourquoi j'ai du mal à dire ça.
C'est le jukebox. Et du coup, on peut avoir de l'énergie gratuite sans avoir à nous prendre trop la tête. Surtout, on peut le mettre très tôt dans la partie si on rush avec Harald, qui est mort, malheureusement. Ok, nous sommes dans une nouvelle journée, il devrait construire ça. C'est fini. Diffuseur d'algues, est-ce que vous avez un petit peu d'algues pour moi? Ah, ils vont chercher de l'algue ici, ok, c'est encore mieux. Est-ce que ça se liquéfie? La température est à 21 degrés. Oh, magnifique, regardez ça. Oh, c'est génial. Moi qui avais perdu espoir. D'accord, mais c'est très bien. Tant qu'il y a de l'air, la chaleur se déplacera. Donc là, ça sera parfait, Maillé. Tu vas pouvoir faire ta petite recherche tranquillement. Et nous chercher des planètes, regardez ça. Je peux lui dire de regarder par ici, ou pas? Allez, je vais lui dire de regarder là, on va voir si ça aide. Non, ça aide pas. Bon, je vais quand même cliquer là. Non, je clique, mais ça, y a rien qui se passe. Donc du coup, ici, si vous voulez nettoyer ça, ça serait génial. Ce qu'il faudrait ici, c'est des toilettes. On va mettre des toilettes sèches ici. On va mettre des toilettes sèches, peut-être pas ici. Oh punaise, tout ce chlore, le vert c'est le chlore. Ok, ils sont venus nettoyer. Ah non, ils sont vraiment bien. Vous êtes vraiment géniaux les gars. On va mettre des toilettes sèches ici. Comme ça, si jamais elle doit aller. Aux toilettes, ah, c'est fait. Par contre, il va y avoir des choses polluées. Donc ici, normalement, je leur ai dit de mettre, regardons ce qu'il y a dedans, de la roche mafique. Comme ça, si je construis quelque chose, je le construis en roche mafique et du coup, ils n'ont pas à descendre tout en bas, en fait. Donc là, c'est vraiment bien. Et en plus, il y a la roche mafique là, vu qu'on a creusé pour arriver ici. Donc il y a plein de trucs. Magnifique, regardez ça, ils retiennent pas la respiration. C'est tout ce que je voulais. C'est vraiment tout ce que je voulais. Bon, ce que je voudrais, c'est... surtout la direction vers une planète, mais on se contentera de ça. Punaise, elle cherche mais toutes les cases sauf celle-là, donc elle tourne comme ça en fait. Mais bon. En même temps, si je cherche un truc dans l'espace, je vais pas commencer à regarder n'importe comment. Si j'en crois un épisode des Simpsons où il y a Seymour qui cherche une planète, ça se fait à l'angle près, donc il faut pas déconner. Ok, ce qui m'intéresse, ça va être de capturer un de ceux-là. Je vais mettre capturer et je vais l'amener ici. Donc là, j'ai transformé la petite ferme en ça. Donc du coup, on va planter le grubfruit et on va voir s'ils vont s'en occuper tout seuls. Oh, ils ont mis des œufs. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai vraiment pas d'espace. Hein. J'ai pas d'espace. Je vais détruire ces trucs. On va détruire ça. En plus, ici, ils arrêtent pas de me faire des œufs. Ils sont magnifiques, ces limaces. Regardez ça. Ils sont contents, vu qu'ils sont toilettés et tout. Je les utilise pas pour l'énergie. Je devrais, je pense. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Il y a juste trop de choses, en fait, dans leur truc. Et du coup, je me suis dit, je vais pas... mais on va faire ça. On va mettre des câbles... Les câbles seront un petit peu moches. On va faire ça. Tac. Ah, et si tu touches ça? Ça sert à rien. Voilà, on va se greffer à ça. Et du coup, je vais le mettre là, comme ça. Ok, tout est touché. Voilà, Pipou toujours là. Alors la team auto. Nous avons Lil Rain. Ici, nous avons Yuri. Et ceux qui n'ont pas de nom. Par exemple, ici, c'est Zarold. Alors, ici, est-ce que ça monte? Il n'y a pas assez d'énergie pour ça. Dans le niveau nourriture, on est bien. On a 31 000, ça a beaucoup baissé. Après
avoir enlevé la ferme ici. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est faire ça. Je vais choisir une autre créature. C'est les Grub Grub. Ça commence par un G. Grub Grub, ou alors les Grub Vormin. Allez, on va en capturer juste un. Ce déplacement qui est un petit peu lent. Alors ici, qu'est-ce que c'est? C'est un peu jaune. Ah, c'est de l'oxygène pollué, ok. Bah viens donc là. Et vous allez creuser. Oh, il y a de l'algue ici. Oh, c'est magnifique. Il y a plein d'hydrogène. On s'en moque. On produit notre propre hydrogène. Il y a une plante que je veux. C'est celle qui fait les trucs là. Celle qui permet de faire les costumes et tout ça. Ah, les pincha. Les pincha m'ont toujours fait envie parce que je crois que dans la cuisine, ils sont bien. Mais j'en ai jamais utilisé. Allez, Otto est là. Il va nous capturer la petite bestiole. Boum, ça t'apprendra. Ah, tu pars pas avec. Ah, quel dommage. Quel dommage. Parfois, quand ils sont en train de contraindre les animaux et que les animaux se déplacent, les animaux commencent à continuer à vivre leur vie jusqu'à ce qu'ils finissent l'animation en fait de la capture. Et du coup, tu vois l'animal qui est... Oh, regardez ça. Oh, magnifique Otto, t'es juste génial. Il n'y a pas d'énergie. Il a combien ce truc? 53%. Ok. Alors là, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Regardons le câble électrique. Me dites pas que ça dépasse les... Ça dépasse les 1000. Ah, oh, c'est possible que ça dépasse les 1000 parce qu'il y a un étage qui s'occupe aussi de l'extérieur. Alors, c'est quel étage? Donc ici, on utilise 60, 120. Et ça, non, c'est même pas cet étage. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Il faudra revoir un peu peut-être les choses. Et du coup, pourquoi ceux d'avant? Bon, ceux d'avant, je peux comprendre, l'énergie vient par là. Et pourquoi celui d'après? Je ne sais pas. Regardons un peu la tension, tout ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Alors, ce que je vais devoir faire dans ce cas-là, c'est utiliser un des tanks que j'ai. Mais on va attendre la nuit. Parce que là, c'est bientôt la nuit, ils vont recharger un peu nos batteries. D'ailleurs, cette batterie est complètement vide. Donc c'est juste qu'il n'y a pas assez d'hydrogène, en fait. Dans ce cas-là, on regarde ce qu'il y a ici. Il y a 1300, je vais baisser ça. Supérieur à 1230. Il va y avoir du gaz maintenant qui va être envoyé. Oh non, ce gaz ne sera envoyé que... Ah, dans les bonbonnes. D'accord, d'accord. D'accord, ben on va juste faire... Ouais, parce que je voulais un qui fonctionne et puis l'autre qui stocke un petit peu l'énergie, enfin le gaz. Non, on va pas y toucher. On va pas y toucher. Je pense que je finirai par faire des ajustements. Mais là, c'est juste que j'ai pas assez d'hydrogène en fait, tout simplement. Toi, je vais arrêter parce qu'il n'y a pas d'hydrogène. Ok, donc ils sont là. Ah, mais qu'est-ce que vous me dites? Mais non, il y a des câbles. Oh non, les câbles sont pas à leur niveau. Et regardez, ce câble est en train de se détruire. J'ai fait tout ça pour ça. D'accord, il n'y a pas de câble à leur niveau. Du coup, ce qu'on va faire, c'est se mettre ici. Et détruire ces câbles-ci. Ok. Et du coup, on va remettre des câbles. Je pensais que les câbles suffisaient. Bah, du coup, on va faire ça. Voilà. Donc, il faut vraiment que ça touche leur tête, en fait. Parce que c'est au niveau de leur tête que se trouve la prise, bien évidemment. Alors, Maé, comment on se porte? Le travail, ça avance ici. Il y a une bonne pression d'oxygène. On va
ne plus utiliser ça. Si jamais il y a de l'oxygène, du dioxyde de carbone, il va partir par là, de toute façon, donc on s'en moque. Ouh, regardez ça, on a fait le rayon, le deuxième rayon autour de notre planète. Oh. Oh, c'est dommage de commencer là. Mais c'est pas grave, dégâts de surchauffe, ça c'est pas ici, c'est sur l'autre planète. Allez, on revient chez nous. Smelina. Est-ce que tu viens chercher... Ah ok, il vient chercher la roche mafique. Ok, mais ici de toute façon ça fonctionne pas bien. J'ai fait un petit trou pour que l'eau descende. Mais non, ça demande quand même du temps. Hein. Ah, une planète détectée, regardez ça. Ok, vite. Oh, magnifique. Alors... gros voilà. Un astéroïde de taille moyenne avec du sable et de la forêt qui a beaucoup de radiation. Ok, beaucoup de métaux. D'accord, si seulement on peut résister à la radiation. D'accord, on a des volcans d'or, punaise. Un volcan d'aluminium et un geyser de CO2. Waouh. Je peux aller voir comment je fais pour aller voir ça? Il y a un truc. Bon, là c'est pour aller... Ah non, c'est Oversea. Allez, on va voir le Oversea. Est-ce que je peux voir le... Là, je bouge vers le haut, histoire de voir peut-être le... Mais on n'a rien. On a besoin d'envoyer une planète, une fusée. Mais vu qu'on nous dit... Iridiation, là... Ça va être problématique. Iridiation ou irradiation? Je crois que c'est le second. Soigner, décorer plus un. Oh, c'est dommage. On va prendre d'autres pakus. D'ailleurs, les premiers pakus, est-ce qu'ils sont morts ou pas? Mais je crois qu'ils se déplacent vers l'eau de toute façon. On va regarder tout en bas. Ouais, ils sont là. Il n'y a pas de souci. Restez où vous êtes. Restez comme vous êtes. 78%, c'est incroyable. Je vais faire un truc que je veux pas faire. Relier deux niveaux. Non, il y a de l'énergie, mais il se barre. Allez, on va relier ces deux niveaux. Faites-moi donc ça. Non, ça doit être pour les fêtes, en fait, qu'ils ont mis des petits trucs. C'est comme quand j'avais joué à Don't Starve Together. Il y avait des petites... il y avait des choses qui avaient été ajoutées lors des différentes fêtes. Donc, ici, on a 21 degrés. C'est très, très bien. Pas partout, mais en tout cas, le télescope est vivable. Donc du coup, je pense que dans le... Ah, je sais pas. Le problème des costumes, on va peut-être faire ça. Je vais mettre un sol ici. Niveau cobalt, mais j'utilise mais tellement de cobalt, c'est juste incroyable. On va faire une station ici pour les costumes et tout ça. Alors, au niveau des points d'XP, où est-ce que vous en êtes, mes petits? Alors, Camille a 3 points. Qu'est-ce que tu veux faire? Élever des créatures. Tu veux conduire une fusée. Lil Rain, tu veux conduire une fusée aussi. Tout le monde veut conduire des fusées, c'est incroyable. On a une personne, je crois que c'est Piu qui a le truc. Auto. Non, tu feras pas la mécanerie tout de suite. La mécanique ou la mécanotronie. Maïe, tu as juste ce qu'il faut. Je vais peut-être te donner ça. Ça augmentera ton moral. Allez, on lui donne le 2. Auto, Piu, Yuri. Ouais, si t'avais un cœur là, je te l'aurais mis. Alors, Zarold. Zarold, t'aimes bien ça, donc vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Ah, mais ils sont là. Finalement, je l'avais même pas vu.
Donc ici, il y a le grub grub. Il mange le sucrose que les autres produisent. Donc du coup, je vais mettre cette plante. Je vais copier les paramètres sur 4. Donc cela. Zut. Copier les paramètres. On va mettre ça là. Et là. Ok. On va annuler ici. Et en termes de priorité, je vais mettre les priorités ici à 3. Parce que c'est justement eux en fait qui vont s'en occuper. Voilà. C'est normalement lui qui s'en occupe. Parce qu'il a une tendance à s'occuper de cette plante-là en particulier. Ok, un gros projet que j'entreprends, c'est de démonter ici. Ah, ils sont venus ici de ce côté-là, c'est pas grave. J'aimerais... arrête de creuser n'importe comment, s'il te plaît. J'aimerais démonter tout ça. On va mettre une échelle ici. On va mettre une échelle là. On va mettre une échelle là. Et on va mettre une échelle ici. D'accord. J'aimerais démolir tout ce truc, qu'il descende, qu'il aille vers le bas, franchement. Parce que je pense que si on a de la glace ici, ça sera toujours froid et on pourra rien faire. En fait, je comptais sur ce dispositif-ci pour réchauffer la base. Donc c'est déjà... ça commence un peu à irradier un peu les choses. C'est pour ça que j'ai pas utilisé les dalles isolantes en fait. Parce que il fait vraiment trop froid en fait. C'est un hiver permanent depuis 100 cycles. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Ah oui, on débloque des choses. Oh là là, la déco, le truc... tellement important pour moi, c'est juste incroyable. Et ici dans cette partie, je l'ai complètement mis de côté. Okay. Je peux cliquer sur ça s'il te plaît, le jeu? Non? Ok. Voilà. Ça continue à marcher un petit peu. Est-ce qu'on a... ok, on a un peu plus d'énergie parce que c'est suppléé par l'autre ici, donc c'est très bien. 92%. Il y a un œuf ici. Alors, ce qu'on peut faire avec les œufs, c'est les cuire aussi. On peut se faire plaisir. Je vais d'ailleurs mettre un truc pour la cuisine, le grill. On va mettre le grill ici. Et on va le connecter. Combien d'énergie tu prends le grill? 240 comme tout le monde. 60 watts seulement, nice. C'est pas très cher. Et alors, c'est quoi le problème? Température corporelle, t'as besoin de combien de température? Il fait 11 degrés, la plante a besoin de 15, entre 15 et 50. D'accord. Du coup, tu m'obliges à... réchauffer la pièce. Je peux pas mettre l'item. Ah, je peux mettre un item ici. Ok. On va réchauffer la pièce, hein, c'est pas un problème. Après tout, on a pu designer une ferme parfaite quand c'était encore la mise à jour. Donc là, on a du liquide, on a du C. Punaise. Il faudrait contrôler ce truc là. Mais là, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de gaz. Si la base est ouverte, eux, ils vont fonctionner H24. C'est pour ça, du coup, qu'on a ces grilles-là. Mais je pense que creuser un peu partout, ça peut être pas mal. Alors là, on peut pas creuser. C'est normal. En fait, on peut pas enlever les geysers. Donc, ouais. Par contre, ce que je peux faire, c'est l'entourer. Mais il faut faire attention, parce que si le geyser... émet de l'eau, ou même le gaz, je suis plus très sûr. En tout cas, si c'est de l'eau, ce qui va se passer, c'est les murs qui vont commencer à s'éclater. Ok, est-ce qu'elle a commencé à chercher? Ok, elle cherche ici maintenant.
parce que je regarde pas trop ce qu'elle fait, mais elle fait du bon travail. Est-ce que le grill a été mis en place? Le grill n'a pas été mis en place, on va s'arrêter sur ça. Oh, regardez ça! Oh, le magnifique petit adorable! C'est dommage qu'on puisse pas les renommer. Non. Oh. Là, ils sont tout mignons avec leur... Non, au niveau dessin, au niveau... Oh, putain. Clé, ils sont juste bons, quoi. C'est tout. Il n'y a pas d'autre nom. Oh, mais il y a déjà un petit ici. Oh. Et tellement d'œufs. Bon, je vous ai... Leurs œufs. On va pas tester leurs œufs. Ils sont trop adorables. En plus, ils ont une bonne fourrure et tout. Là, tout le monde peut se laver. Le matin, s'ils le veulent. S'ils le veulent, bien évidemment. Donc, non, c'est très bien. C'est très bien. Et du coup, là, de temps en temps, il y en a qui viennent toiletter ça. Donc là, ils sont apprivoisés. Donc, du coup, ils se reproduisent beaucoup plus vite. Ah, il est venu ici libérer un. Mais tu veux pas les toiletter un petit peu, là? Non? C'est vrai qu'il y a qu'Otto qui les toilette. Ok, elle est venue chercher quelque chose. Ah, voilà. Oh non, on a personne en cuisine. Mais regardez ça, on peut faire un Swampy Delight, du coup avec le Bok Jelly. D'accord, mais c'est très bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire des omelettes avec des œufs crus. Est-ce qu'il nous faut le casse-œuf là? Je me rappelle plus. Il faut le toc d'œuf, c'est ça hein? Transforme les œufs de créatures viables en ingrédients pour la cuisine, ouais, c'est bien ça. Poisson cuisiné, donc filet de pacou, oh là là, c'est très bien. Ok. La baie fibreuse. C'est les baies velues là que je voulais mettre au début quand. Avant de voir en fait que ça demandait un truc bien spécial. Et de l'eau surtout. Là on n'a plus de soucis d'eau. On n'a plus de soucis d'eau. Laissez-moi voir. Est-ce que mon eau est toujours germée? Oh la germe a disparu. Oh punaise, je sais pas comment. Mais les germes ont disparu. Oh c'est génial. Hein. Non, deux secondes. Je suis sur le filtre des tuyaux. Maintenant, rappelons un petit peu l'horreur de la base en allant sur le filtre des germes. Ah, quand même. D'accord. Ah, mais ça va, ça a diminué. Ça a diminué. Ça va, c'est pas zéro. Ok. Non, il y avait beaucoup de germes ici. Et là, je pense que les germes ont disparu parce qu'il y avait une eau très froide qui est venue d'ici. C'est possible. En tout cas, ils creusent. Ils ont creusé ici sans que je fasse attention et ils auraient pu mourir, ces petits, mes petits duplicants. Du coup, on va mettre des échelles, 4. Bah, c'est ici. Hein. Voilà. Et on va faire ça. On va le faire jusqu'au bout. Je pense que si jamais je creuse, il faut que je le fasse jusqu'au bout. Donc, je mets une échelle tout en bas, en fait. Là, tu vas faire juste ici. Et du coup, vous allez bloquer. Vous allez bloquer ici. Ok. Comme ça, le froid va se casser. J'espère. Bah, là, en fait, il faudrait que je mette une pompe. Et que je l'entoure, en fait. Comme ça, la pompe peut, par exemple, amener l'eau ici. Et refroidir un peu le... Ok, qu'est-ce qui va se passer? Faites attention mes petits duplicants, faites très attention, je ne veux pas de mort. Je ne veux pas de mort. Mais bon, donc là, on va s'arrêter ici pour l'épisode. Il était un peu plus long que d'habitude. Et on a découvert une planète. Mais l'irradiation me fait un petit peu peur. Donc du coup, je ne sais pas si on va y aller tout de suite. Ça, il faudra le démonter. Ou alors, entourer ça en le laissant dedans. Comme ça, on utilise déjà la canalisation qui est disponible. Allez. Ah, mais il faut que je débloque peut-être cette porte. Pourquoi je l'ai fermée? Je l'ai fermée pour qu'ils utilisent cette porte-ci, d'accord. Je comprends les choses. Ok, bah du coup, là, ils sont en train de manger tranquillement. En fait, j'ai mis le jus de box. J'ai l'impression que ça tremble. Je sais pas si c'est la planète. Pour transformer ça en grand hall, mais je ne peux pas le transformer en grand hall. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de la déco qu'il faut.
Avec ça, on devrait gagner un peu plus de morale. Pourquoi c'est... Pourquoi c'est rouge? Pas de récolte en cours. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est pas très grave. Donc là, ici, ils ont mis le truc pour chauffer la pièce. Les plantes devraient avoir leur température bientôt. Voilà. En plus, lui, il est à 29 degrés. Il va transmettre un petit peu sa chaleur. Et du coup, les plantes seront contentes. Donc là, en attendant le prochain épisode, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Salut. Pendant un moment, j'ai eu une petite hésitation. Voilà.